Ça a cuit. Oh, vous n'avez pas dit que vous faites des sujets esthétiques parce que gay, vous êtes riche, nous on est pauvres. Vous voyez, la personne que vous voyez là s'appelle Jay Bougie. Oui. Une femme transgenre. Vous savez, au Nigeria, hein, quand ils disent qu'ils font les choses, ils vont jusqu'au bout. Ils veulent voir clair dans ce qu'ils font. Donc, cette personne est née homme. Et en grandissant, elle a dit qu'elle était née dans le mauvais corps. Bon, c'est pas faute de moyens. Elle s'est donné les moyens. Elle est montée, elle est descendue. Et bim, un matin, elle est devenue une femme complète. On sait tous par quoi, grâce à quoi. Bistouri et j'en passe. C'est donc comme ça que, formée comme une guitare basse, avec des rondeurs qu'il faut, avec BBL et j'en passe, a commencé à faire les mannequins à gauche, à droite, sur tous les comptes des réseaux sociaux, attirer du monde. Bref, nos frères et nos sœurs, nos frères et sœurs, Annabella et tout, chacun a dit que, yé, si j'avais le cœur, j'allais aussi aller faire les hanches des Beyoncé, hein? Non, les hanches des Shakira, hein? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On le voit dans les lives en train de pleurer sa vie. Il dit, pleurer les mauvais coups. Que il est comme ça couché. Il est en train de pourrir sur place. Que son corps partout où on a touché là. Parce que je tiens à préciser qu'il a changé de sexe, hein, carrément. Une femme complète. Il dit que la chirurgie esthétique, son corps en a besoin. Il lui faut aller faire des retouches. Comme je vous dis souvent ici, là, que c'est comme la drogue. Quand tu commences, tu ne t'arrêtes plus. C'est un chantier. À chaque fois, il faut faire les mises à jour. Et que il n'a plus un seul centime pour aller continuer à faire le travail. Donc, pardon, les âmes de bonne volonté. Pardon. Si vous pouvez ouvrir un litige pour la personne, pour qu'elle puisse aller continuer à faire sa chirurgie, parce que tant qu'elle ne fait pas, le corps est en train de pourrir. Elle était couchée sur le ventre. Tellement pour elle, c'est impossible de s'asseoir et de dormir normalement. Les pleurs du boulet partout, partout. La vie va vous enseigner. Je vous vois venir, vous allez dire que wow, lui aussi, il était garçon, il est né, il est parti changer et tout, mon cher. Son problème, ce n'est pas qu'à l'appareil génital. Hein. C'est aussi au popotin. Hein. C'est tout ce qu'il a mis là par-ci, par-là. Hein. La vie va nous enseigner, mes gens. Quand tu parles, c'est que tu es pauvre. Je vous ai dit que affaire de pauvreté, là, je vais seulement mourir, ma pauvre. Si c'est la chirurgie esthétique qu'on doit faire pour avoir l'argent, je ne vais jamais faire l'autre, là. À bisous.